Ces boules de couleur, on ne les verra plus dans le village gay de Montréal. C'est la fin d'une époque. J'aurais jamais imaginé qu'un œuvre publique dans le village devienne représentatif de Montréal. C'est quand même assez extraordinaire. Leur créateur a décidé que le concept a fait son temps. On laisse la place aux jeunes. Moi, je crois que les jeunes ont quelque chose à dire qui est différent de ce que moi, j'avais à dire. C'est sûr que les gens, comme nous tous, il y avait un sentiment de déception et de quasiment de peine parce qu'on s'est attaché beaucoup à ce projet-là. Les commerçants du village ont lancé un appel à projet international pour trouver un nouveau concept. Le gagnant sera dévoilé à la fin octobre. Montréal Ville Inclusive, c'est un peu notre branding et de faire voyager ce branding-là à l'international, c'est fondamental. Donc, c'est important de dire aux gens d'à travers le monde, Montréal, c'est quoi en quelques instants et surtout en images. Donc, les boules ont contribué à ça. Ce ne sera pas facile de trouver une idée aussi simple et aussi forte. Ce n'est pas tout de trouver un concept, encore faut-il que les gens se l'approprient. Effectivement, il y a plus de quatre passages, c'est Instagram et certains autres réseaux sociaux. Les guides touristiques papier demeurent, mais au niveau de l'image, effectivement, c'est les réseaux sociaux qui ont pris la place. Mais difficile de prédire ce qui suscitera l'adhésion du grand public. Notre tour Eiffel, à nous, là, à Montréal, disons-le, c'est la biosphère, hein? c'est la sphère de géodésique de Buckminster Fuller. Mais en même temps, à quelques kilomètres plus loin, il y a quelqu'un qui en fait une autre boule orange. C'est l'orange julep, puis ça a connu plus de succès, je dirais peut-être pas critique, mais certainement auprès de l'imaginaire de la population. Malgré le retrait des boules, Montréal continue de jouir de plusieurs lieux et symboles emblématiques. Il y a la Croix et le Mont-Royal, il y a le Stade olympique et le Mât, il y a les escaliers, il y a les festivals, il y a l'Oratoire Saint-Joseph et la Basilique. Les experts s'entendent pour dire que Montréal gagne à mettre en valeur ses symboles distinctifs, à encourager la création de symboles forts pour éviter que les cônes prennent toute la place et s'imposent comme le véritable symbole de la métropole. Ici Nabil Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.